Je vous en Alors, prie. re les Ouais, amis. je me suis mute. Ok, c'est bon. Alors, on C'est va. vrai, mon casque avait plus de batterie entre-temps. Ah oui. Non, Voilà. attendez, attendez. Ah, c'est Je vais faire ça. Alors, oui, du coup, ça y est, j'ai eu tout le briefing, tout ce qu'il faut. On va pouvoir lancer le jeu. En tout cas, du moins pour le moment, on me conseille de lancer le tuto. Donc on va faire ça, on va lancer le tuto au préalable. Hop. Attendez, je vais virer ça. Alors de temps en temps, je virerai potentiellement parce que... Enfin, je foutrai l'écran d'accueil ou l'écran de... Comment dirais-je de pause parce que faut que je cache l'IP du serveur sur lequel on va se connecter, parce que c'est un serveur particulier, voilà. Donc on fera ça. Je vais baisser un peu le son de Ixion parce que c'est relativement fort. Et nous on est parti sur le tuto en français, si possible. Let's go, les amis. Alors voilà, ok, join. Alors, character, on va prendre un perso, hein, on va créer un caractère. Edit character, male, jumpsuit, ouais. On peut rotate. Alors, les cheveux, on va remettre des cheveux parce que en vrai, en ce moment, j'ai des cheveux. Animé protagoniste. Facial hair dwarf, non. 5 o'clock, why the fuck not. Full bird, exactement. Et du coup, ça c'est pas mal. Du coup, moi je vais partir sur un truc un peu comme ça. Voilà. Eyes. On va partir sur un truc un peu comme ça. On va partir sur le vert. Attention, security level to blue. Bean reserve de machin. Ok, si tu veux. Ouais, pas mal. Alors. Hey, merci Day. Je suis en train de créer le perso actuellement. Je discute pas encore avec les autres, je vais rejoindre quand on sera tous dans la même partie, je pense. Tiens, on va peut-être mettre le petit polo bleu là. Pas mal. Et attends, ok. Apply, ok. Alors, les underwear. Ah, bah j'ai été. Je crois que j'ai été déplacé, si je dis pas de bêtises. Attendez. Oui, voilà, ok. Alors j'espère que j'ai baissé le bon. Non, j'ai pas baissé le bon. C'est pas le bon que j'ai baissé. Mélangeur de volume. C'est pas ça que j'ai baissé. J'ai pas baissé du tout le bon. Voilà. Ok, je crois qu'on m'a déplacé, si je dis pas de bêtises. Pas sûr. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui s'est déplacé. Je ne sais pas. Non, il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un qui se déco reco. Hein, donc, ok. Pas d'inquiétude. Hein. J'arrive. Les chaussettes de l'archiduchesse. On va mettre. Pantyhose, non. Non plus. Oh la vache. Ah ouais, on a des trucs ouf. Ah, pas de chaussettes, voilà. Non, non, pas welp. Ladies, non. On va prendre des vrais swimsuits non plus. Men black. Mankini, non. Men black alternatif. Oui, why the fuck not? Blue. Ah. Green. Gray, est-ce qu'on a le gray? Est-ce qu'on a le blue boxer? Red, striped boxer, non.
Ok, donc j'ai pas vraiment le choix, je vais avoir un truc rayé rouge et blanc. Hein. Apply. Join. Alors, Tiens. Alors attendez. Nous, on voulait faire. Assistant Captain, Quartermaster, Bartender. Cargo technicien, shaft miner, bartender, cook, captain janitor, clown, mime, crétin, lawyer, chaplain, chief engineer, engineer, atmospheric technician, chief medical officer, paramédic, psychiatrique, génétique, virologue, recherche director, ok, scientist. Do experiment, make scientific, break space-time, ouais, roboticien, créer des cyborgs, je sais plus lequel c'est moi. Head of security, je crois que ça c'est ce que je joue basiquement. Day. Warden, garde, détective, security officer et AI. Ok, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je pense que c'est scientifique, mais je vais quand même envoyer un message à Day pour savoir si c'est scientifique dont on avait parlé. Attendez, hop. Ah bah il est plus là. Et voilà, c'est pas grave, on va faire le tuto du scientifique, on va faire ça va être bien. Ouais, c'est pas roboticien. Non, parce que je crois qu'il y avait un truc, il m'avait dit, ouais, tu découvres des... Alors, ok, donc, me voici sur le tuto. Ok, je peux me déplacer, nos sauces. Ok, il fait bzit. C'est très bien. Je serai votre tutorial bot, votre robot de formation. Tout d'abord, déplacez-vous avec ZQSD vers la table. La table, la voilà, la table. Ok, c'est fait. Pensez à définir. Pensez. Hein? Oui, dans les menus options, ok. Équipez les vêtements sur la table en les obtenant avec clic gauche. Attends. Ah, oui. Non, mais attends. Du coup, j'ai pas vu la suite. Comment je fais? Ah, je les ai obtenus avec clic gauche. Il n'y a pas de problème. Équiper les vêtements sur la table en un clic gauche et en l'équipant avec E ou dans l'emplacement adapté cintre. Ah, ok. Donc, je prends des gants, je vais dans le cintre et je drag and drop, j'imagine. Ouais, c'est bon. Ok, je prends ça, je le drag and drop. Ok, et je prends ça, je le... non, pas là, pas là... Les chaussures, ok, voilà, j'ai drag and drop, et je referme comme ça. Ok, c'est bon, c'est fait. Équiper les vêtements... Bah ouais, c'est bon, ça y est, j'ai fait. Et maintenant... Peut-être qu'il voulait que je fasse E. Hop, du coup je vais faire... Ok, je vais faire E. Voilà. Et maintenant, il est ok avec ça? Ouais, c'est bon. Je pense c'est équipé, hein. J'ai déjà un problème. Bah ouais, c'est fait, c'est fait. J'ai fait, je suis équipé. J'ai déjà un souci. Ok. Ah! Attention, sans la carte d'identification, vous ne pourrez pas ouvrir de porte. Prenez toujours votre ID avec vous. C'est-à-dire... C'est quoi? Identification carte. Ok, d'accord. Ah ouais, il y a un niveau de zoom. Très bien. Donc avec la molette.
Donc ouais, j'ai mon ID card, mais j'imagine que je peux. Ah voilà, je la mets là et c'est ok. Ok. Ouais. Donc c'est bon, je viens de passer les premiers airlocks. Très bien. Ouais. Tu viens le robot? Merci. Ah, ah voilà, c'est ça, c'est clic droit et je peux le drag plus ou moins. Pour prendre moins de place dans votre inventaire, vous pouvez insérer votre carte d'identité dans votre PDA. Je crois que ça doit être ça. Hein. En sélectionnant The Letter sur On the Form. J'ai rien compris. Oui. Également changer de main avec la touche X. Ah, ok. Alors là, je viens de récupérer un truc. C'est un PDA. Ah, mais du coup, ok, on peut l'insérer dans le PDA. Ok. Point to, examine, pull. Attendez. Prendre moins de points, vous pouvez insérer votre badge d'identité dans votre PDA en sélectionnant The Later. D'accord, oui, ok, c'est drag and drop dans le truc. Alors, c'est si sombre, je pourrais te perdre de vue, mais on ne peut pas toujours interagir et surtout me tirer en faisant un clic droit sur moi et choisir votre action. Ok. Vous pouvez également basculer la lumière intégrée sur votre PDA comme un phare, hein, mais uniquement sur 2 mètres. Pas besoin, je suis un robot après tout. Alors attends, je peux te. Voilà, je peux te récupérer et te tirer avec moi. Ok. Et ça. Pick up, point to, pull, examine. Comment je fais pour allumer, du coup? Parce qu'on voit R là, effectivement. Contrôle-clic. Contrôle-clic, c'est. Ah, contrôle-clic, effectivement, ça tire les trucs avec moi. Ok, très bien. Mais par contre, comment je fais pour allumer mon PDA? La lumière de mon PDA. Ah là, comme ça. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais pas vu. Désolé, hein, les gens. Uniquement sur 2 mètres. Ok. Attends, tiens, viens avec moi. On n'a pas fini. Non mais viens. Voilà, merci. On a pas fini. Merci. Alors, mon capteur détecte une quantité irrégulière de CO2 toxique dans la pièce voisine à l'ouest, équipée le masque et l'oxygène stocké dans le sac. Et n'oubliez pas d'allumer votre oxygène en bas à droite dans l'interface. Vous pouvez garder le sac à dos. Point to, pull. Et comment je regarde? Ah, attendez. J'équipe le sac à dos. C'est quoi ça? Je viens d'avoir un truc. Survolant quand même. Ok. Ah, ok. D'accord. Faut double-cliquer pour ouvrir un truc. Donc ça. Ok, je fais X et si je fais E, voilà, je l'équipe. Ok, c'est parfait. Et ensuite, ça, je le drague ici et je fais E. Et voilà, maintenant j'ai une petite bouteille d'oxygène et ça, je le remets dans le sac. Voilà, nickel. Ok. Et du coup, faut que j'active l'oxygène ici. Ok. Hop. Voilà.
Mon capteur n'est là. This is very... Ok. Attention, il y a un trou. Attendez. Attention, il y a un trou dans le sol dans la pièce suivante. Vous devez être prêt. Équipez la combinaison spatiale pour vous protéger de l'environnement difficile. Je crois que vous autres organiques n'appréciez pas être exposés au vide de l'espace. Objectif, utiliser les objets dans cette pièce pour réparer le trou en utilisant la tige de l'espace vide, puis utiliser le carrelage sur l'échafaudage, construire une tuile de base. Sol. Alors, attendez. Ça c'est une. Ça va être une tige. Donc, alors attends. Oui, ah oh, d'accord, ok, j'ai juste à cliquer. Je viens de comprendre un truc. Genre, quand j'ai quelque chose en main, j'ai juste à cliquer dans mon sac et ça le met automatiquement dedans. Utiliser les objets dans cette pièce pour réparer le trou en utilisant la tige sur l'espace vide. Alors, il est où l'espace vide? Ah, il est là, ok. Mais attends, il est où la combinaison? Ah, attendez. Ok, alors ça, je le mets. Ça, je le mets. Ok. Nickel. Et du coup, ça, je le prends. Et je le mets dans mon sac à dos. Nickel. Donc maintenant, un truc pour me protéger du vide spatial. Tiens, viens, viens, viens. Alors, je prends donc du coup la tige. Alors attendez, la tige, je la glisse dans ma main. Ok. Et une fois que je l'ai dans ma main, voilà, ok. Et ensuite, je prends le carrelage et je fais ça et ça. Ouais. Genre ça, non. Ah, attendez. Ah, fallait cliquer deux fois. Ah merde, mais il n'y en a pas assez du coup, si? Ah, équipe d'ingénieurs protégée. Puis utiliser le carrelage sur l'échafaudage pour construire une tuile de base. Enfin, utiliser le dernier pour finir le carrelage au sol. Ah, mais on n'en avait pas assez du coup pour tout finir, si? Ok, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai éteint des trucs. Alerte, gna gna gna, très bien. Nominal. Ah, mais attendez, du coup, potentiellement, pression, température. Ok. Ok, donc je pense qu'ici c'est bon. Ah, attendez, je sais pas pourquoi j'ai rallumé ça. Ah, ok. Du coup, j'ai appuyé sur ça et ça a débloqué ça. Félicitations pour l'accomplissement de votre première mission. Vous avez mérité une récompense. Vous pouvez ici vous reposer, manger et boire. Il suffit de cliquer sur les machines et de voir ce qu'elles vous donnent. Vous pouvez même jeter des boissons et emballages au sol. Ne vous inquiétez pas, je nettoierai après votre départ. À partir de maintenant, vous pouvez soit vous diriger vers le sud, soit pour quitter la station ou. En vous souhaitant bonne chance pour votre prochaine affectation, soit découvrir le reste de la station si vous avez un doute sur ce que vous avez. Vous pouvez faire un clic droit, examiner, shift-click, etc. Et du coup, ça, je peux le mettre totalement dans mon inventaire. Et j'imagine maintenant que je l'ai dans mon inventaire. Qu'est-ce que je peux en faire? Attendez. Je peux le drag and drop ou pas? Non. Comment je fais? Pull point to. Ok, j'ai une plante dans les mains. Mais je ne sais pas quoi en foutre. Je peux pas la reposer par terre. Je crois pas.
Ou attendez, peut-être qu'il faut pas que je sois sur la tuile en question. Non. Je peux pas m'équiper de ça, oui. Par contre, je sais pas trop comment l'utiliser. Alors, je vous demande juste 2 minutes, faut vraiment que j'aille au cabinet, j'arrive. Me revoici, désolé. Alors par contre, je sais toujours pas quoi foutre de ma plante. Alors je peux la supprimer. Comment je fais du coup? Comment je fais pour... Alors, attendez, du coup là, ça je peux rien en faire, ça je peux rien en faire, ça je peux rien... Attendez, non, c'est... je crois savoir pourquoi je peux rien faire. Parce qu'il faut que je change de main. Voilà, c'est ça, parce que j'essaie de cliquer avec ma plante. Mais je sais pas quoi en branler de ma plante là. Je peux pas la mettre dans mon sac des fois que... Hein? Ah, je peux plus ouvrir mon sac? Attendez. Hein? Bizarre, ok. Donc, finalement, c'est pas pour ça. Bon, bah, je vais mettre ma plante dans mon sac. Comment ça? Too big for... Ok, c'est trop gros pour rentrer dans mon sac. Mais qu'est-ce que j'en branle de ma plante là? La plante ne peut pas être placée dans elle-même, oui, je me doute bien. Comment qu'on fait pour placer des trucs par terre? Ah, attendez. Drop. Voilà. Oh. Et donc on peut balancer même. Ok. Walking. Running. Ok. Ça je sais pas. Ok, ça c'est pour s'allonger. Ah, il y a un craft. Il y a un menu de crafting. Putain, pour... Waouh. Ah, il y a des armes à feu? What? Ok. Ok, ok. Je pense qu'on se servira de tout ça. Peut-être dans le jeu, mais voilà. Ok, ok. Bon. On va rejoindre les autres. Attention. Alors. Hop, 2 secondes. Et installation. Installation. Et tu vas pouvoir tu lancer... Tu vas pouvoir lancer le build que tu viens de télécharger. Parce que nous, on va l'exécuter en local pour faire un join IP en direct. On exécute ce build. Coucou les amis, je viens de finir le tuto. Oui. On passe à marcher ce coup-ci. Nickel. Non, par contre, c'était laquelle des deux adresses? Parce que je sais pas si tu te souviens, on avait utilisé les deux, vu que la première, au début, je recevais pas le mail. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit peu ce qu'on en a pensé de ce tuto? Oui, oui, tout à fait. Salut, Eko. Ah, attends, juste... Salut Eko, est-ce que tu nous as rejoint? Bonjour, bonjour. Que tu nous bonjour, bonjour. Bah, en fait, je suis pas sur le jeu. J'ai c'est aucune idée pour le télécharger, mais par contre, je voudrais bien jouer. Je suis un ancien streamer et Red Dead et tout ça, donc... Respire, on se détend, ça va bien se passer. Alors, Eko, dans la conversation où tu es avec nous, tu as 3 liens. Tu as la documentation, le tutoriel et le jeu. Je t'invite d'abord à faire le tutoriel, à regarder les 2 petites notes que j'ai mis en dessous. Et une fois que tu auras fait le tutoriel d'ici 10-12 minutes, tu nous rejoins sur le jeu. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon, c'est alors... bon. Attendez, je vais essayer de... Mais je vois pas, j'ai pas accès là, je suis pas sur mon PC. Je suis sur Discord, peut-être mon téléphone, peut-être c'est pour ça, là, mais je vais rejoindre du coup sur mon PC. Oui, alors commence à remettre sur ton PC s'il te plaît. Alors Virus, oui, qu'est-ce que tu en as pensé du tutoriel? Alors oui, je tiens d'abord à dire aux gens qui sont avec moi, vous êtes en live, hein, au cas où. J'espère voilà. Que ça pose pas de problème à personne. Non, je suis streamer aussi, donc je suis correct. Dans
tous les cas. Ah tiens. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du Alors, il y a pas mal de petits trucs en vrai où j'ai un peu galéré parce que je cherchais où sont les contrôles. Tu vois, par exemple, on me dit à la fin que genre je peux prendre des trucs dans les distributeurs et potentiellement les jeter par terre. Sauf que ça c'est pareil, c'est un des trucs genre je savais pas, mais j'ai seulement vraiment vers la fin vu qu'on pouvait drop et throw des objets. Ouais. Ouais, les touches, je les ai pas encore. Comme j'ai dit, les dialogues, il faut encore que je les retravaille, notamment pour rappeler les touches E, A, R. Oui. Ouais. Et à un moment donné, on m'a demandé d'insérer ma carte dans le PDA, tout ça. Ouais. J'ai pas tout compris. Ouais. Ouais. Bah, en fait, tout ce que j'ai tué, c'est en main. Ouais, non, mais j'ai compris qu'on pouvait drag and drop, donc il n'y a pas de souci. Par contre, comment on se connecte au serveur du coup? Parce que moi. Je vais exit to desktop déjà pour ça, puis je vais lancer le vrai Unity Station. Ouais, ça c'est bon. Moi j'ai une question, c'est où ce qu'on télécharge le jeu? Alors, tu as trois liens dans la conversation avec la documentation, le tutoriel, le jeu. D'accord? Ah oui, je vois. Imgur.com et tout ça. Yes, je vois les trois liens. Voilà, donc tu prends le lien du tutoriel, tu fais le tutoriel, et une fois que tu auras fini le tutoriel, on discute du reste. Tu parles de la conversation, tu parles dans le rapport de session ou... Non, ici. Bah, pourtant, là où je viens de taper. Tu viens de... Ah. Okay. Voilà. Ça change rien, ça c'est pas grave. Alors, ça ne propose pas de mettre une adresse IP, ça propose serveur Unity Station, Playtest Europe, Playtest USA, oui, alors, et Wild Frontier. Ça, tu le télécharges si ce n'est pas déjà fait. Ok. Et ensuite, tu vas dans Installation. Qu'est-ce que tu as pensé du tutoriel, Garde Impériale? Il tutoriel bien. Bon. D'accord, ok, nickel. Non. Bah, j'ai retrouvé des marques de SS13, ouais, il y a quelques changements. Après, je dis pas que j'ai tout compris, mais je vais pas le refaire de mon côté une fois ou deux. Ou que je suis un joueur aguerri, parce que voilà. Va falloir peut-être que je refasse mes touches. Voilà. Et sinon, j'ai à peu près compris ce qui était expliqué. Donc, en théorie, je sais jouer. Nickel. Bah, du coup, tu vas pouvoir te connecter avec l'adresse IP qui est notée sur le Discord. Attention à ne pas la lire à haute voix. Maintenant, nous sommes en live. Oui, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. Si vous donnez des informations personnelles, je ne serai pas en mesure de vous aider. Pour résumer, ne partez pas en live. Il y a une fenêtre dans le. Moi, il faut que je finisse de download le Unity Station du coup. Moi aussi. Station last build. Je crois que je suis en jeu. Ah, il y a quelqu'un qui est avec moi. Ouais, appelle-moi Hirsut. On est sur quel type de map? On est sur full station. Ok, je crois pas que je la reconnaisse celle-ci. Bon, j'improviserai. Mais il y a la map qui est dans la conversation. Bon, je regarderai la map s'il faut. Mais tu vas voir, elle est bien faite cette map, il y a des flèches partout. Alors moi je suis connecté sur Station Hub là et j'ai tout oublié de comment on se connecte. C'est pas grave, je devais te rappeler, ça sert à ça. Est-ce qu'il y a l'objet comme dans SS13, le pinpoint? Allô Mavis. Tu verras plus tard. Alors, comment vas-tu? Tu vas sur le serveur. D'accord? Sur l'onglet serveur, tu vas EUSA. Est-ce que tu peux download un des builds? Bah, il y en a trois, ouais. Il y a Unity Station Playtest. EU, Unity Station Playtest, voilà, USA, donc je prends le EU. Voilà, tu prends celui-là, et ensuite tu vas dans l'onglet Installation. Ok, donc je clique sur Download et je vais dans Installation, c'est ça? Ouais. Je vais juste prévenir deux secondes avant qu'il y ait un accident. Alors, oui... Sur cette map, on a le portail au démarrage, ne rentrez pas dedans, mais ils peuvent dans pas cet énorme portail. Bah, s'il est pas activé, on peut pas rentrer dedans, en théorie. Il est activé, mais la porte est fermée, donc... Justement, comme si quelqu'un a les droits, justement, qu'il s'amuse pas à sauter dedans.
Alors, je vais laisser ouais, alors, voir, c'est alors désolé Maëvis, oui, vous n'avez pas l'image, c'est parce qu'en vrai, on va se connecter chez... sur le serveur à Dae, et donc du coup, je veux pas qu'il y ait un leak. Non, non, c'est... elle est un peu trop comme violente. Je me souviens pas, je mettrai l'image quand on sera en jeu. Non, on est connecté à Dark Jungle, donc ça va. Bien, alors maintenant, choose your experience level, new, j'imagine, new to Space Station 13. Oui. Ok. Et maintenant, je peux... Et ensuite, je peux join, c'est ça. Il me faut donc un port et une adresse IP. Alors, l'IP, le port, c'est le port par défaut. Et l'IP, bah, c'est celui que je t'ai donné en message privé. En privé ? Ouais, enfin, dans la conversation, quoi. C'est celui qu'il faut passer, partager. Oui, c'est celui qu'il faut absolument pas dire, par exemple, que c'est 924... M40. C'est ça, exactement, c'est NF2.68.1.13. Exactement, alors, slash 924. Pour ceux qui sont en jeu, oui. Je vous invite à... je vous invite à vous décaler vers le canal Discord de votre département, quand vous y serez, qui servira de canal vocal local. Voilà. Ok. Ok. Donc c'est comme ça le scanner. Oh, mais il est trop bien! C'est bien qu'ils ont rajouté ça maintenant, le... Non, dans ton canal. Le scanner. Ok. Ça, c'est le son du jeu que j'entends m'inquiéter. D'ailleurs, il n'y a pas de chat de proximité. Non, pas encore, il y a le Discord. Moi, ouais, je sais pas, il faut que j'aille par content. Alors, attendez. Unity. Ah, c'est bon. Alors, quand démarre, vous le dites, et je sauterai dans le channel. Alors, on va faire... On va faire les choses dans... Character, join... Qui est on n'entend pas très bien mes interlocuteurs, attendez. Alors ensuite, il faut faire join. Attends, je vais peut-être... les contrôles, ça peut changer dans le launcher ou il faut être en partie? C'est dans le jeu pour les contrôles. Ok, bon bah... Je t'invite aussi à baisser le master volume à 50%. Voilà. J'ai baissé le son du PC, c'est plus simple. Si tu veux. Alors, virus. Tu t'es connecté en quel rôle? Alors désolé, pour l'instant j'ai pas encore de rôle, je suis en train de me battre pour que le stream ait une qualité sonore. Moi je me suis connecté mais juste au web là, pour l'instant. Là je vais faire join now. Alors et, qui est dans le jeu s'il vous plaît? Moi j'y suis. D'accord, tu t'es connecté sur quel... en quel rôle? Botaniste. Et tu t'appelles? Donc ça va. Alors, l'adresse. Bon. Je t'expédie dans le... il est où? Services. Bah, voir maintenant. Bridge, sécurité, cargo. Bon. Ah, bar cuisine. Hop. Mortifia. Je vais dans mon channel. Je suis chef ingénieur, justement. CE, d'accord. Et ton pseudo? Mortifia, ok. Expédié. En ingénierie. Faut mettre les ponts ou pas sur l'IP? Oui, faut mettre pas. Tu copies-colles, tout simplement. TLGO. Ouais. Tu as besoin d'une information? Ouais, je suis encore en train de download le truc là. C'est bon, j'ai réussi à retrouver mon identifiant. Ok, nickel. Je suis en train de download le premier là, du coup, on est d'accord? Moi, je suis en train de créer mon identifiant, les gars, ça sera pas très long. Non, y a pas de soucis. Fais le tutoriel, prends ton temps. Oh, ça marque, je suis en train de rejoindre. Ça devrait être bon. D'accord. On est d'accord que t'as bien download le build normal, t'es pas sur le tutoriel. Non, j'ai pris l'Europe. Non, là tu vas rejoindre le serveur Europe, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Non, j'ai téléchargé le build, j'ai fait lunch. Ensuite, ça m'a demandé join, ça m'a demandé l'IP et ensuite okay, il y avait le port 7777. Et puis j'ai juste tapé l'IP et puis j'ai fait rejoindre. Ok, nickel. Et bah, dans ces cas-là, tu as rejoint en tant que quoi? Ah bah là, c'est encore en train de charger, hein, je viens juste de le taper. Là, ça marque, c'est en train de charger. D'accord, ok. Full station, nickel. De mon côté, je sais plus de quoi on avait parlé, que
je voudrais bien faire, mais n'hésite pas. Merci pour le raid, mon cher Guilty Glitch. Ah bah je connais Guilty. Ouais, et je t'ai raid aussi de mon côté, Virus. Oui, je t'ai dit merci, il y a de ça 32 minutes. Effectivement. Tu veux jouer quoi, Virus? Ben, on avait parlé de faire un genre de Indiana Jones ou un Daniel Jackson. Donc agent de sécurité ou détective? Non, Daniel Jackson. Ouais, voilà. Ah, archéologique. Oui, voilà, c'est ça. C'est scientifique. Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Donc je vais te renommer en science. C'est quoi le pseudo de ton personnage? Virus GF. J'ai pas. Il m'a instant nommé comme ça en fait. Hop, et tu es transféré au lab. Pensez à vous déplacer de channel. D'accord, super. Bon, bah donc du coup, je suis dans le laboratoire et j'ai choisi scientifique. Et me voici donc. Alors attendez, par contre, le son du jeu est ultra vénère. Caméra zoom, non. Audio, par pitié. Voilà. Musique, bah non, en fait, si ça vous dérange pas, on va se laisser les musiques de Ixion. Ça va être pas mal. Close, ok. Bon, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ça c'est bien. Alors attendez, ça j'ai mon PDA de scientifique. J'ai mon backpack. Donc j'ai de la... Ah oui, alors attendez, ça, tac, je le mets là-dedans. Et ça, je le mets là. Et ça, je le mets là. Voilà, super. Ça, je le prends et je l'équipe par pitié. Et tout le reste, voilà, je ferme, je n'ai pas spécialement besoin. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Toolbox, danger, very robust. Ouais, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, welding torch, oui, donc non, finalement, je vais la drop, ça ne me sert à rien dans l'idée. Firefighter, oui, c'est vraiment pour... ok, non, donc ça c'est pas pour moi, spécialement. Ok, on peut aller là. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un quantum pad. C'est pour faire de la téléportation. Ok. Alors, j'ai pas activé mon oxygène parce que j'imagine que je suis encore... Ouais, là, c'est des airlocks. Je vais peut-être éviter de passer par là. Ah! Et là, je peux pas y aller. It open and close. Ok. Ok, mais j'ai mon PDA normalement. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Counter. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Examine. Aide une triangulette exotique particule. D'accord. Non, garde-le là. C'est très bien. Ah, mais j'avais des trucs là-dedans, ok. Et puis des frines, ok, bon. Pas grave. Du coup, ça, je le mets dans mon backpack, nickel. Si vous mourrez... Ah non, mais ça va être de ma faute, hein. Je vais faire une connerie, c'est sûr et certain. Hein. Il y a un moment donné où ça va mal se passer. Alors attendez, hop, je peux mettre le PDA. Ouh là là, non. Je crois que ça va vers l'extérieur. Alors comment ça se passe la science? Pour l'instant j'essaie de pas mourir. J'ai failli sortir dans l'espace comme ça. Nature. Voilà. Est-ce que tu peux penser à équiper ton oxygène s'il te plaît? Ouais, c'est équipé déjà. Ok, très bien. Mais il est juste. Il est juste pas activé, mais si je vois qu'il y a un truc qui déconne, je vais l'activer instant. Ok, ça marche. J'ai bien compris dans le tuto, hein. T'inquiète pas, c'est la première chose que j'ai fait. Ok, je vais voir avec nos autres invités. D'accord, ça marche. Et merci Maëvis pour le raid, ça fait plaisir. Désolé hein, pour les raids d'une personne, j'ai pas les alertes, mais parce que pour une personne, la plupart du temps, on met pas trop les alertes. Mais dès que ça passe à deux ou un peu plus, il y aura les alertes, vous en faites pas. C'est quoi ça ici? Je peux pas y aller, d'accord. Mais alors, je comprends pas ce que je fais hein, en fait. Bien le bonjour, qui est-ce? D'accord. Ah d'accord, je vais faire un petit hug à Tigo, ok, ça fait plaisir. Et on peut aller là. Par contre, je sais toujours pas ce que je dois faire.
Il fait trop froid ici apparemment. Ça me dit qu'il fait trop froid. I'm warm close or stay inside the warm area. Ah, et là, c'est bon ou pas? Ça c'est quoi? Fire alarm, d'accord. Command airlock. Maintenance access. Ok. Ah. Ok, il fait plus chaud ici normalement. Y a pas de pression ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Moi je me balade, hein. Franchement, je sais pas trop ce que je fous. Hein. Au secours! Si vous y connaissez, aidez-moi, par pitié, parce que ça va mal se passer, je sens. Parce que ça, maintenance hatch, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. On est d'accord? Et là, je peux pas y aller, j'ai pas accès, je pense. Moi, j'y comprends rien. Hein. Je... Et là, ici, je peux y aller? Non, j'ai pas le droit d'aller là. Maintenance access, bien sûr que j'ai pas. Là, c'est l'ingénierie, je pense. Ok. Le seul qui peut t'aider, c'est d'ailleurs. Ouais, j'imagine. Bonjour. Ah, c'est Mortifia. Attendez, comment on parle? C'est espace. Mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire exactement? Y a ça là? Oui, ouais, 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 c'est super. Ok. Examiner. Shift Teleport Device. Ouais, ouais. Ouais, on est très très heureux. Rotate, pull. Mais c'est quoi, c'est un PNJ ou comment ça se passe? Non, c'est pas un PNJ, y'a que des joueurs ici. Moi je comprends rien. Hein. J'ai la mon PDA. Supply, potentiellement, je ne sais pas. Quoi, là j'ai pas accès, là j'ai pas accès, ok. Coucou. Je suis un peu perdu. Je sais pas quoi faire. Et je crois qu'on est tous là en plus. Ah, on est tous au même endroit? À peu près, ouais. Bon, bah moi personnellement, je suis à moitié paumé, je sais pas quoi faire, je sais pas où je dois aller. Ouais, Alors, qui tu es? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, archéologue, si j'ai bien compris, j'imagine que je dois découvrir des artefacts et les étudier. Oui, tu peux essayer de faire ça. Tu peux essayer aussi de te familiariser avec l'interface science, voir comment fonctionnent tes éléments. Je t'invite à regarder le wiki que je t'ai envoyé. Ah, je suis pas sûr que ça traduit. Mais ah ouais, c'est pour ça qu'il me faudrait un troisième écran en fait. Ouais, ça fait beaucoup d'écrans. TLGO. Oui. Est-ce que t'as fait le tour de ton département médical? Alors pas tout à fait non, parce qu'en fait j'étais perdu dedans au début. D'accord. Bah, là, attends. Play. Hop, j'ai un. Non. Bah en médical, j'espère qu'il y aura un voilà. Coup. Non, on va mourir de faim là, clairement. Hein. Non, je préfère vous le dire. Hein. Oui, non, mais moi, je vais certainement mourir de faim ou de froid. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis passé dans une zone où où j'étais en hypothermie. J'ai fait ah, c'est pas une bonne idée ça. Alors, recherche directeur, robotiste, scientist. Commande médical cargo. Oh, je comprends R. Je pense pas que ce soit xénobiologiste.
Ghost, antagoniste, non. Je capte pas. Hein. Ok. Bon, écoutez, ça va se passer de manière, je pense, de manière un peu empirique. On va essayer des choses. Potentiellement, disposer le bin. Peut-être que... Ouais, attends. Comment je sais si j'ai faim ou pas? Attends, ça, c'est quoi? Je comprends pas, en fait, ce que je fais là. Player list, non. Comment je sais si j'ai faim ou pas? Ah, stat, peut-être? Non. Contrôle. Okay. Alternative. Interact. Note. Non. Non, c'est pas ça. Pas un truc quelque part. Attendez. Je vais me balader, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Là, je dois avoir un best hot drink. Bah déjà, on va commencer par boire, parce que j'imagine que... un Space Cola. Un Mountain... Space Mountain Wind. Ah bah oui, comment ça? Et du coup, c'est arrivé là. Ok. Maintenant. Call one. Ok, je crois que j'ai bu. Je pense que j'ai bu. Attendez, parce que... Très particulier. Ok. Je pense que j'ai bu là. Hein. Je sais pas. En fait, le jeu donne assez peu de feedback. Hein. Bah écoutez, je vais le garder dans mon sac. Hein. On verra bien. On va prendre. Qu'est-ce qu'on prend? Un Twinkie? Ah ouais, on va prendre un Twinkie. Voilà. Et ça, je le garde dans mon sac pour le moment. On verra. Si le jeu me dit « Ah, tu t'es en train de crever, t'as faim ?» Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Igniteur. Non, bah non, en fait. Pas déjà. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maintenance access. Ok, oui, je vois. Ça, je comprends pas. Department... Batterie. Ça, c'est des batteries, ok. Sécurité ici, hein, je pense. Medical, bridge. Ok. Chemical. Ok. Medical airlock. Ah, je peux pas rentrer là. Comment ça va? Bah, je suis paumé, hein, basiquement, non, attends, mais. T'en avais une dans ta boîte. Oui, très cher ingénieur. Allô? Oui. Très cher ingénieur, tu voulais quelque chose? Je t'ai vu toquer à la porte. Et t'as oublié ton casque? Ah non, pardon, excuse-moi. Je te renvoie en science. Il y a des bruits bizarres. Alors ça c'est non, hein, faut pas passer par là, hein, clairement. Évacuation, je pense, ok. Chemical. Y a quelqu'un qui m'entend là? Y a une porte qui est restée ouverte. Je crois qu'elle est pétée. Mais moi je peux aller là, mais ça n'a pas de sens que je puisse aller là, si? Evac. Maintenance access. Security airlock. Ah voilà. You're starting to get hungry. Eh ben voilà. Eh ben il le dit le jeu finalement. Hop. Et du coup là... Ah, je dois enlever ce qui couvre mon visage au préalable. Donc pour manger, je dois certainement retirer ça. Et voilà. Et donc tout à l'heure, j'ai absolument pas bu. Ah bah si. On peut boire avec un truc sur notre tronche, mais par contre on peut pas... Hop là. Voilà. Ah oui, non, mais il faut vraiment que je mange, en fait. Ok.
Beef Jerky, let's go. Ah oui, attends. Oh là 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 là. Voilà. Ok. Bah on va acheter ça à la poubelle quand on pourra. Hein. Du raisin, tiens. Mais. Attends, mais j'arrête pas de becter et pourtant j'ai genre. Mais faim de ouf! Ok. Bon, on va dire c'est bien. Hein. Par contre, ah oui, voilà. Ça, disposal bin. Ok. Ready. Alors non. Du coup, attends. Là, comme ça, et je fais ça. Ouais, nickel. Voilà. Et du coup, ça, si je fais comme ça. Ok. Mais par contre, c'est un peu nul qu'on puisse pas voir vraiment nos stats. Ou on doit pouvoir, mais c'est juste moi qui sais pas faire, peut-être. Non, alors attends. Merde! Ah, quel idiot! Comme ça, voilà, manger. Ensuite, je remets. Oui, voilà. Et du coup, je change de main. Et du coup, je mets mes déchets à la poubelle. Moi, je suis quelqu'un de bien élevé. Alors ça, c'est quoi? Security Airlock. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une plante. Attendez, il y a eu un bruit, là. Il y a eu une... Cabinet, ok. Ah, mais je peux aller là. Très bien. Par contre, je peux pas aller là. Ah oui, là, c'est pour aller carrément dans l'espace. Donc non. Accès maintenant. Science! Science, bitch! Oui! Ok, je crois que je suis au bon département, là. Ça y est, je crois que je suis au bon endroit. Putain, c'est quoi, ça? Et ça, c'est du... J'en fous partout! Bravo! Bravo, c'est beau, hein, c'est beau. Apartment... Scientist Locker. Ah mais voilà, bah du coup oui, c'est mieux. Attends, qu'est-ce qu'il y a là du coup? Ça, mais ça j'en veux pas ça. Oui mais tout ça c'est des trucs. Ah mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? A Scientist Radio Headset. Ah mais je peux le mettre ou pas ça? Ah ouais. Lab coat. Mais je crois que c'est déjà ce que j'ai, non? Je crois. Hein. Ouais, ça c'est ce que j'ai aussi. Ok. Non, attends, récupère-le et mets-le là. Drop. Ok. Ah, merde, je crois que j'ai poussé un truc. Ah oui.